Live. Fucking chou quoi. On est parti pour une grosse session de recrutement, je pense. Lui faire identifier plein de trucs, je pense, pour le recruter, je sais plus. Oh, si on rentre au château, est-ce qu'on aura tout de suite les combats ou pas? Ce que je comprends pas, c'est que pour aller au sud, l'armée est forcément passée ou par là, par le pont. Et du coup, ils devraient être dans l'un des deux. Ils sont nulle part. Logique. La danseuse est toujours pas là. C'est que Tata là ne chope suffisamment de vie pour supporter un début de combat. Si elle arrive à supporter au moins une attaque. Elle les a presque rattrapés en level, elle a toujours même pas la moitié de leur point de vie quoi. On voit bien que c'est pas une unité combattante à l'origine, mais quand même. Et c'est pas du respect ça, c'est une insulte, c'est ce que vous voulez. Mais... faire un ou deux combats dans la grotte pour les monter.
Ah, ils avaient encore des choses à apprendre ici. Tes personnages gagnent 2 niveaux d'un coup. Passe plutôt bien en fait. Vu que ils attaquent pas la deuxième ligne. Problème c'est que Toutal ne peut pas faire un vrai combat. Tout arrive un jour ou l'autre. Tout ne pleure pas. Un jour, et déchirera. Oui, je te le promets. Tu vas leur botter le cul avec ton caillou. T'es pas marqué dans les livres. Mais putain, qu'est-ce que tu déchires? Alors lancez des gros cailloux. Ah, vous nous faites bien rire. C'est pas visé quoi. Genre tu lui demandes un truc toutes les 6 heures, elle arrive même pas à le faire. C'est le plus beau de tous les châteaux, c'est mon château, c'est mon château. On n'a pas encore de taverne.
Mais ça va arriver, et on pourra picoler et se mettre à cheveux. Pas tellement poupé sous les tables que même le chou devra nous huer. On est crétin et qu'on vit bien. Est-ce qu'ils vont me dire va recruter des gens ou est-ce qu'ils vont me dire il faut qu'on y aille au combat tout de suite pour prouver qu'on peut y arriver? Je suis revenu, Bakael. Apple. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à parler avec votre stratégiste? Stratégiste. Chou a promis de nous aider. Bien, il semblerait que le reste soit entre les mains de notre stratège. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il a été banni après tout. Vous ne croyez pas en moi, peut-être vous devriez partir. Chou, ça a été rapide. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'ai mis mon cheval au travail. J'ai tué trois montures sur le chemin. Et toi, le grand gars, tu es Victor? Oui, en effet. Écoute-moi, suis mes ordres et fais ce que je te dis, et on arrivera à vaincre l'armée des Highlands. Si tu ne crois pas en moi, on va perdre. Tu veux gagner? Cesse de me questionner. Tu peux même pas le faire. Je vais considérer que tu es un obstacle que je dois retirer. Apple, commence à comprendre pourquoi il a été banni. Hey, Blue Boy. Hey, le garçon en bleu. Tu es flic, n'est-ce pas? Combien de soldats avons-nous? Fais attention à comment tu m'appelles. Si on ajoute les soldats de Muse et ceux de South Windows, plus les femmes, les enfants et les vieux volontaires, nous sommes à peu près 2000. Ça et ce vieux château en ruine. Et l'armée d'Highland de l'autre côté, elle a une taille incroyable de 20 000 et puis elle a aussi les soldats de South Windows. J'ai un plan. Je me rappelle bien, ce château a joué un rôle clé dans la contre-attaque quand l'empire de Scarlet de la Lune Rouge nous a envahis. 2000 soldats pourraient être suffisants. Ils sont peut-être 20 000. Et ils doivent laisser beaucoup de soldats dans leur garnison principale. En réalité, ils n'ont que 10 000 soldats à bouger comme ils souhaitent. De plus, un tiers de ceux-là sont des soldats de South Window. Sous les bonnes conditions, on devrait être capable de récupérer ces soldats. Si on compte cela, nous avons une force de 5 000 comparée à leurs 7 000. Nous avons une bonne chance de gagner. Je suis impressionné. À t'écouter, j'arrive presque à croire qu'on a une chance. Mais quel est le plan? Reed? Oui, monsieur? Infiltrer l'armée des Highlands et répandre la rumeur que les soldats de South Windows vont être exécutés quand la guerre sera terminée. Je comprends, monsieur. Tout le monde va rester ici et protéger le château. Nous devons gagner du temps. Quoi? Pas de renfort en vue? Je ne pense pas que les rumeurs que Freyd pourrait répandre suffiront à les faire changer de notre côté. L'ennemi va essayer d'entourer le château. Nous allons avoir une petite unité que l'on va libérer
et attaquer Solanji depuis le côté. Si on attaque le général, les troupes vont commencer à trembler. Et on devrait être capable de récupérer des soldats de South Window en même temps. Attendez, c'est une péninsule. Comment est-ce que vous voulez faire passer des soldats sur le côté pendant que l'ennemi nous entoure? L'armée de Highland ne connaît que les batailles sur le sol. Elles n'ont aucune expérience sur la mer. Pour Salonjin, l'eau n'est qu'un obstacle. Donc nous allons utiliser le lac à notre avantage. Nous devrions être capables d'emprunter quelques villages depuis les villages voisins. Bateaux depuis les villages voisins. Vous semblez penser à tout. Je commence à penser qu'on va peut-être gagner. Oui, nous allons gagner. Nous allons gagner. Bien. Je vais tenter ma chance avec vous. Bien, qui va attaquer Solanjin? Moi ou Victor? Non. On va laisser ce rôle à quelqu'un d'autre. Pas qu'elle, je voudrais que ce soit toi qui le fasses. D'accord. La clé pour vaincre Lucas Blight est littéralement entre tes mains. Nous comptons sur toi. Bien, que tout le monde se mette au travail. Fried, je vais t'aider à trouver un bon message à passer aux soldats de South Windows. Pour l'ennemi de Grandmayer et pour le peuple de South Windows, je me battrai avec tout mon pouvoir. Bien, je compte sur toi. Victor, Flick, Tsai, essayez de protéger ce château. Apple, je veux que tu choisisses 300 des meilleurs soldats de l'armée et que tu les donnes à Bakel. Bien, monsieur. Cette fois, je voudrais gagner. Ne merde pas. Bien, il n'y a pas de temps à perdre. Si on perd cette bataille, nous n'aurons plus personne à préparer. Bakel, il faut gagner. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je t'ai réveillé. Mais tu dormais depuis si longtemps. Tu dois être vraiment fatigué. Beaucoup de choses sont arrivées. Pourquoi tout cela arrive? Pourquoi est-ce qu'on doit tout faire? Je suis pas sûr que je crois en ce chou. Mais j'imagine qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre maintenant. Tout ira bien, je vais te protéger. Allons-y. C'est presque l'heure pour nous de se battre. J'ai presque envie d'aller faire un tour en ville. Eh Bakel, est-ce que t'as bien dormi? La prochaine bataille va être dure pour toi. L'armée des Highlands est venue. Il semblerait qu'ils essayent d'entourer le château. Bien, c'est le moment, Victor Flick. Vous êtes prêts? Laisse-nous faire. Nous allons protéger cet endroit. Et toi, Bakel? Je suis prêt. Bien, commençons l'opération. Bakel, bonne chance. Bonne chance, sois prudent, ok. Et je voulais parler à Pilika, moi. Bien. Ce ne sont plus que des rats dans un piège. Écrasez-les. Ne laissez personne s'échapper. Maintenant que nos forces sont répandues, les flancs sont vulnérables. Exposés,
La seule chose que nos flancs sont exposent, ce sont les terres libres de Saf Windows. Ne vous inquiétez pas et attaquez-les. Ça va être marrant. Ce vieux trouillard de Saf Windows nous avait abandonné avant le combat. Ça commence à être ennuyant. Bien, il faut l'occuper jusqu'à que Bakael réussisse à passer de l'autre côté. Tout le monde, soyez fort. Pourquoi qu'il est Bertie? Triste. Laquelle? Tu n'as qu'un seul but, Solomon Jean, l'unité de tête. Tu peux ignorer tous les autres. Bon, on n'apparaît pas trop tôt. Pensez qu'ils vont nous voir. Non, le script il a dit ils allaient pas nous voir. On a un soldat qui a été blessé! L'armée est attaquée par le flanc! Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Nous avons été encerclés! Ne soyez pas des trouillards! Retournez sur la ligne de front! Je vais m'occuper de cela! Et regardez ça! L'armée des Atlantes est en train des Islands est en train de se faire attaquer! Regardez tout le monde! Bakael attaque Salon! Il est un courageux jeune homme! Vraiment! Il attaque directement Salon Jean. Lord Bakael est un homme qui pourrait nous mener à la victoire. C'est notre chance de contre-attaquer. Victoire! En effet, c'est le moment de faire payer pour ce qu'ils ont fait à Lord Grandmayer. Pour l'honneur de Saf Window. Il a raison, c'est notre chance de nous battre. Détruisez l'armée des Islands. Bakael. Le travail est fait. Pour l'instant, nous devrions nous retirer. Non? C'est hors de question. C'est pas possible. Le combat n'est pas encore terminé. Cinq, quatre, hein. Pas moyen qu'on attaque. Ah, ils ont chopé le deuxième coup.
T'es un peu trop courageux, toi, par contre, hein. Pas combien de force t'avais, mais... Ah, toi aussi, toi, totalement suicidaire, en fait. Beaucoup de dégâts, non, non, non. Ah! Lordi, ce n'est pas bon à ce rythme, nous allons nous faire encercler. Je sais. Bande de fous, retirez-vous. Voilà, enfin, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, Bakken! Il s'enfuit! On devrait les poursuivre. On a réussi, hein? Ouais. Oh, Bakel est revenu! Tu as réussi, Bakel! Tu l'as vraiment fait! Je suis tellement soulagé. Ilika aussi était inquiète. Mais Bakel va bien. Viens, tout le monde t'attend dans le grand hall. Commence à être connu, Bakel. Tout d'un coup, tu es le héros de tout le monde. Et il a raison de l'être. C'est ce jeune homme qui a vaincu l'armée des Highlands. Tout le monde ne cesse de parler de toi et ils te mettent en héros de la victoire. Nous avons réussi à vaincre. Mais nous avons déjà perdu Lady Annabelle et Muse est tombée sous contrôle des Highlands. Les États sont dans un état déplorable et les survivants sont en danger de se faire détruire à n'importe quel moment.
De plus, tôt ou tard, Lucas Blight et son unité principale, les loups blancs, vont nous attaquer ici, à North Windows. Dans notre condition actuelle, nous ne serons pas capables de nous défendre contre une telle attaque. Il nous faut plus de pouvoir. Tu essayes de nous dire qu'on va faire de ce château notre quartier général pour nous vaincre, pour vaincre les Highlands? Exactement. Nous avons déjà un bon outil pour réunir des gens dans ce vieux château. Mais pour l'instant, nous avons besoin de quelqu'un qui réunit tout ce pouvoir. Quelqu'un qui nous réunisse, nous avons besoin d'un leader. Chou, est-ce que tu veux dire que tu veux être ce leader? Non, je ne peux pas le faire. Je suis un génie militaire, mais je ne suis pas bon pour mener les gens, les inspirer. Alors, on va appeler les autres dirigeants de cité? Sans un leader, je suis pas sûr qu'ils nous aident. Il y a une personne ici qui pourrait être notre leader. Bakael, non. Je veux dire Lord Bakael. Tu es celui qui doit devenir le leader de l'armée des nouveaux États. Nous avons besoin de montrer. Nous n'avons besoin de toi pour nous montrer le chemin vers la victoire. Attends une minute. Pourquoi Bakael? T'es pas bon. Que tu peux expliquer pourquoi? C'est le nom de Genkaku, Chou? Genkaku, vous voulez parler de ce Genkaku? Tu es le fils du héros Genkaku, qui a permis aux cités-états de gagner il y a 30 ans. Entre tes mains, tu possèdes la même rune, le bouclier, la même que Genkaku. Tu es Lord Bakael, qui a vaincu le général Solonjin des Highlands. Tout le monde va te chercher pour l'espoir. Mais plus que tout cela, j'ai vu la lumière en toi. Cette lumière que l'époque demande. Tu dois mener l'armée des États-Unis. Attends. Moi, un leader? Attends une minute, Bakael. Tu es sûr? Je veux dire, tu devrais quand même y réfléchir un peu, non? Mais Lucas Blight, c'est vrai, mais pourquoi toi? Est-ce qu'il y a une bonne raison pour pour Baka de le faire? Ça va être très dangereux. Et si je peux aider? Oui, mais. Nous ne pouvons pas demander à Bakel de prendre sa décision tout de suite. Il a besoin d'un peu de temps. Et il y a autre chose dont je voudrais parler avec Baka. Quelque chose dont Annabelle n'a pas eu le temps de lui parler. Lord Bakel, s'il vous plaît, prenez votre temps et réfléchissez. Quand tu auras pris ta décision, venez me voir. Je crois en toi. Bakel, Nanami. Venez à la taverne plus tard, je vais vous parler de Genkaku. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas décider une telle chose si facilement, n'est-ce pas? C'est pas qu'elle. Tu veux vraiment ce type de pouvoir? Oh, oublie, j'abandonne. Cela ne fait que nous énerver tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on devrait aller à la taverne? J'aimerais bien entendre parler de Genkaku. Ou peut-être est-ce qu'on devrait se reposer et prendre une décision dans la matinée? La taverne. Je sais pas si pour aller à la taverne, ce serait pas plus rapide de passer par là. Ah bah non. Pas envie.
À la taverne. Ta-da-da. Ah ouais, t'as même pas pris le temps de balayer quoi. En mode balai couille. Ah, vous êtes là, bien. Ne vous tenez pas là comme ça debout, asseyez-vous. Même si vous pouvez pas boire. Nous sommes venus écouter les histoires sur vos grands-pères. Allez. Qu'est-ce qui vous presse? Une longue histoire. Mais ce n'est pas une histoire heureuse. Donc qu'est-ce que tu en penses? Tu veux l'entendre, Bakel? Veux quand même l'entendre. Bien. Bien, commençons. C'est une longue histoire. Juste avant que la guerre commence à nous battre entre les Highlands et les États. Non, juste avant que cette guerre commence, les combats entre les Highlands et les cités-États étaient limités à quelques petites escarmouches. Mais il y a 30 ans à peu près, l'Highland et les cités-États se sont battus dans une grande guerre. Il y a pas mal d'histoires sur ce qui s'est passé. Mais il semblerait que les États aient commencé la guerre. Le père d'Annabelle, le maire d'Arel, de Muse, a mené l'armée des cités-États. Et le fameux général Anne Cunningham tenait l'armée des Highlands. Darrell était un amateur quand il était question de guerre. Il n'a pas fallu longtemps à ce que la moitié des soldats de Muse et la moitié des soldats de Mathilda soient vaincus. C'est là qu'un héros est apparu. Au père adoptif, Genkaku. Genkaku a récupéré les commandes d'une unité et a mené des raids contre les Highlands et leur tente de vivre. Cela a permis de ralentir suffisamment les Highlands pour permettre aux cités-États de récupérer. La guerre continuait. Et Genkaku et Anne, ils venaient du même village. Ils étaient même amis. Des fois, ils prenaient le temps de prendre un verre ensemble au milieu du champ de bataille. Et en faisant cela, ils se sont vite rendu compte à quel point cette guerre était stupide. Et ainsi, Gengaku et Anne ont travaillé ensemble pour rendre possible un traité de paix. Les citoyens des deux pays étaient vraiment remplis de joie. Sauf un homme, le maire de Muse. Il y avait une ville de la frontière, la ville natale de Kiaro, que Darrell refusait de donner aux Highlands. Et ainsi, les négociations ont été rompues, la guerre a continué. Et c'est là que le roi des Highlands, Aegaredh Blight, a pris une décision que la guerre soit décidée d'un duel entre les deux champions.
Darel était d'accord à l'idée. Alors, Anne et Genkaku, qui voulaient seulement que la guerre se finisse, ont dû combattre. Le moment est venu du duel. Le roi Garrest a donné son épée à Anne et le maire Tarel a donné la sienne à Genkaku. Cela signalait que chaque champion se battait au nom de leur pays. Et quelque chose est arrivé. Genkaku n'a pas levé une seule fois son épée. Darel l'a ordonné de se battre encore et encore, mais il a refusé. Le temps est passé et le peuple a été en colère. Mais ainsi s'est terminé le combat, et ils ont blâmé Genkaku. Avec aucun autre choix, Anne a frappé Genkaku, le séparant de son arme. Et il a mis son épée sur la gorge de Genkaku, se déclarant vainqueur. C'est comme ça que la ville de Kiharo est tombée entre les mains des Highlands. Genkaku a été appelé traître et mis en exil par Lord Darel. Il est parti sans même révéler la vraie raison pour laquelle il ne s'est pas battu. Poison? Ce serait logique. Beaucoup d'années sont passées. Darel a quitté son travail de maire. Et finalement, il a été découvert pourquoi Genkaku a refusé de se battre. Voilà. Darel avait secrètement couvert la lame qu'il avait donnée à Genkaku avec du poison. Genkaku savait que c'était sa fin, qu'il gagne ou qu'il perde. Il perdait bien, et s'il gagnait Darel. Vont-elles le faire sortir de force du pays pour ses crimes? Genkaku a détecté le poison et n'a pas pu se résoudre à sortir son épée. Et ainsi, Genkaku et son nom ont été nettoyés bien après. Pourtant, Genkaku refusa de revenir au cité-état. Et pour ce qui s'est passé après, enfin, vous le savez bien mieux que moi. Il semble que ça a été plus important pour Genkaku de vivre une vie heureuse avec vous plutôt que de revenir nettoyer son nom. Et après ça, ah, tu dois être fatigué. Enfin, maintenant tu sais quel genre de vie ton grand-père a mené. Mais Bakel, tu n'es pas Genkaku, ni son fils. Tu es une personne qui s'appelle Bakel. Ne l'oublie pas. Il se fait tard, tu devrais porter Nanami au lit. Vous êtes de bons enfants. Je pense que je comprends pourquoi Genkaku vous a pris sous son aile. C'est lui qui les a élevés, surtout.
Bien, t'as bien dormi? Château. Mon château, oh, des châteaux, beau château, bacalaï. Il y a même des plantes qui ont poussé et j'ai même mal aux pieds. Oh, Barbara! Je sais que tu peux le faire. Laquelle? Ouais, je sais. Pipi, pipi, le cas. Est-ce que tu as pris une décision? Et tu penses que je peux être capable de le faire? Bakael, merci. Je te prête toute ma force pour que tu puisses vaincre ce bâtard de Lucas Blight. Te plaît, Bakael, nous avons besoin de ton pouvoir. Lord Bakael? N'est pas beaucoup, mais je vous donne toute ma force, moi aussi. Moi aussi, je me battrai pour toi, pour Southwindow, et pour Lord Grandmayer, et pour tous les peuples qui souffrent sous la main des Highlands. Lord Bakael, avec tout le pouvoir que j'ai acquéri sous les ordres de mon maître, je vous promets de vous amener la victoire. J'ai pas beaucoup de force, mais je vous donne tout. C'est le moment de célébrer dans ce genre d'occasion. Nous avons un nouveau leader, alors il faut faire une fête. Je voudrais vous féliciter, moi aussi. Docteur Han? Docteur, vous allez bien, je suis tellement contente. Désolé, je sais que tu étais inquiète. Docteur Han, comment avez-vous survécu à Mouz? Bah, j'ai été aidé par un bon soldat et puis j'ai fini par arriver ici. Les soldats seront heureux d'apprendre que nous avons récupéré un si valeureux docteur. Bienvenue parmi nous, docteur Ran. Merci. J'espère que mon peu de savoir en médecine pourra vous aider, vous et les troupes. Lord Bakael, je suis heureux d'être là parmi vous. Je ferai du mieux que je pourrai pour être utile aux gens du château. Oui! On a récupéré One. Tout tard. Comment comptez-vous appeler ce château? Ah ouais, vous avez raison. Northwindows Castle, c'est pas un bon nom. Comment devrions-nous l'appeler, Lord Balken? Ça va être le Panda Castle, hein, je suis désolé. Hein. Oh, le château Panda, hein? Quel bon nom! Oui, je l'aime, moi aussi. Oh! De toute façon, t'aurais aimé tout ce qu'il aurait pu dire. La ferme, sœur. Bien, c'est le Panda Castle. Le château Panda. J'ai arrêté de dire Panda Castle. Le château Panda! Le château Panda! Château Panda? Bien, c'est pas mal, non? Après tout, c'est le nom que notre leader a décidé. Bien. Maintenant qu'on a le nom de notre château, pourquoi pas une petite fête? Qui êtes-vous? Je m'appelle Leknat. Je suis la gardienne de la porte. Pouvez-vous voir le miroir infini? Je surveille la grande balance. Laquelle? Toi qui as hérité du bouclier. Le cycle est complet.
Les étoiles du destin commencent à se réunir. Je t'offre la tablette de pierre de la promesse. Les noms qui apparaissent dessus seront ceux qui t'aideront dans ta source pour récupérer du pouvoir. Je suis le disciple de l'Eknath, Luc. Et voici la tablette de pierre de la promesse. Je serai heureux. Je suis heureux de voir que Lady vous a donné cela. Et je vais aussi vous accompagner pour vous faire plaisir. N'est pas que je le veuille, mais Lady Leknath me l'a ordonné. Ouais, on a récupéré Luc! En vrai, c'est une vraie bonne nouvelle, hein. Luc est ultra puissant à la base. Ses vieux yeux voient le futur, mais beaucoup de choses se tiennent devant le destin. Ton ami, celui qui a hérité de l'épée noire, je le vois aussi. Vous avez de difficiles routes à affronter. Donc, tu dois toujours regarder vers l'avant et agir avec prudence, Paquet. Ok. Donc voilà, Victor et Flick, vous êtes encore en vie? Toi? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Ouais, en quelque sorte. On s'est battu côte à côte à une époque. Ah. La prochaine fois, on fera une vraie fête. Il y tient sa fête, hein, le petit. Papa, les foires choux. Bonjour! T'es réveillé? T'es réveillé? Tu es le leader maintenant, alors faut te dépêcher. N'y a pas de lettre dans la suggestion box. Recruter pour mon armée et agir avec. Voulez-vous réajuster les amis? Ah bah oui, carrément même. Pas celle-là que je voulais arranger moi d'unité, mais c'est pas grave. Passer à la. Y a tellement de gens connus, ça me rend tellement nerveuse.
Ça se passe bien pour ma carrière de mercenaire. On va enfin pouvoir déposer des trucs. Enfin! Yuan et Toto. Ah oui. Ça c'est cool. Donc la première chose à faire, c'est prendre Freddy, d'aller recruter sa femme, et on va aussi monter les niveaux des gens les plus bas. Donc 20. 31, 20, 20, 31, 19, 19, 16, 16, 16, 16. Que des gens qui peuvent pas se battre. Qu'on pouvait donner de l'argent à un moment pour reconstruire un peu plus. Est-ce qu'on est à North Windows? Est-ce que tu peux me guider ici? Merde, j'ai fait une connerie, je crois. On change la partie? C'est jeu de l'enfer. Pour tous nous apprendre une leçon, non? Thank you.
Pas possible, il est truqué ton jeu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Faut que je fasse huit. Bon, le bleu gagnera pas, ça c'est sûr. Faut pas gagner en un tour. Il peut gagner hein, ce con. Je gagnerai pas. J'ai le verre. Chaussures en bois.
Je vois ce qui se serait passé si on lui disait si, si, c'est bien ici. Il nous aura argent ou pas. Lui, il était le messager pour Dame Annabelle. Tellement intimidé de voir tous ces gens. Vous êtes beau et fort, Bagel, oui, je sais. On déposera les objets. Est-ce que on se trouve à North Window? Je peux croire que mon guide m'a abandonné. C'est en effet si. Merci. J'ai entendu des rumeurs comme quoi un grand héros avait vaincu l'armée des Highlands. Donc j'ai décidé de venir voir par moi-même. Est-ce que tu as déjà vu ce héros? À quoi est-ce qu'il ressemble? Il n'a rien de spécial. Ouais, j'imagine que c'est la nature des rumeurs. Mais j'ai quand même envie de le rencontrer. Viens, on se voit plus tard. J'ai fini de préparer les lits. Merci. Très bien. Félicite, madame. Madame qui a pas de nom. Non mais nettoie. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. On ira recruter des gens. Moi, je vais farmer un peu avec les bas levels, pour les mettre à jour dans leur level, dans leurs armes, tout ça. Et je vais surtout essayer de pas recruter des gens sans vous. Toute façon, je pense pas arriver à les monter beaucoup plus que 20. 22 peut-être. C'est que je les ai montés 30 dans le château en fait, donc pas sûr que plus ça soit possible en dehors. On verra. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne nuit.
On arrive vers chez vous!